Dans ce tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une carte avec le site mapchart.net. Alors ici, comme en ce moment c'est la Coupe d'Europe, eh bien nous allons choisir d'identifier par exemple les pays qui jouent contre la France au premier tour. Donc on va sur le site mapchart.net, on choisit une carte d'Europe. Alors c'est en anglais, mais fill color veut dire remplir avec un pot de peinture, donc on va choisir la couleur. Ici on va mettre par exemple la France en jaune. Nous allons mettre les pays ici au niveau de la légende. Donc ici nous allons mettre la France. Ensuite nous allons prendre une autre couleur pour par exemple la Suisse. Voilà. Et une autre couleur, par exemple pour l'Albanie. Alors l'Albanie, eh bien l'Albanie, elle est ici, hein. Voilà. Ensuite, il suffit de cliquer sur Convert to Image. On clique sur le petit bouton. Et vous voyez qu'on n'a plus qu'à cliquer maintenant sur le petit bouton Download. Sans ça, alors ce qu'on peut faire, c'est Affichage. Hein. Donc, faire un clic droit, afficher l'image. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Si je reviens en arrière, ici, je vais la faire Download, Image. Et je vais ouvrir l'image. Et j'ai ce que ça donne, hein, vous voyez, ici. Donc, je vais l'enregistrer. Par exemple, sur le bureau, les pays au format PNG, hein, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez tout à fait l'incorporer dans un traitement de texte. Donc, on va ici ouvrir LibreOffice. Et nous allons déposer ici la carte, vous voyez, comme ceci, dans. Voilà le traitement de texte. Donc on pourra par exemple proposer comme situation problème recherche les pays d'Europe non qualifiés pour la Coupe d'Europe. Donc, ce qui va obliger les élèves à répertorier l'ensemble des pays qui sont inscrits et qualifiés pour la Coupe d'Europe, et puis de découvrir aussi la notion d'Europe, où sont les États, et de repérer finalement ceux qui ne se sont pas qualifiés. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.